en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de tous les horizons nous fraterniser. Nous venons tous ensemble comme un seul homme, nous revigorer, nous ressourcer. Nous venons tous ensemble chercher le pardon qui restaure, le pardon qui requinque, le pardon qui revitalise. C'est le jour du Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Au seuil de cette célébration, bien-aimés sœurs et frères, reconnaissons nos pécheurs, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vos frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
ensemble. T'aime, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le message contradictoire du prophète Jérémie lui a valu d'être jeté en prison. Cependant, il a été sauvé grâce à l'intercession d'un officier du palais royal. Écoutons cette lecture puisée du livre de Jérémie au chapitre 38, les versets 4 à 6, puis 8 à 10. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias, « Que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Le roi répondit, « Il est déjà entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne
du prince Melchias dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Melech, vint trouver le roi. « Monseigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim. » Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Melech. « Prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. M'a tiré du gouffre inexorable, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur les voies. Il a raffermi mes pas. Ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Voyant cela, beaucoup seront saisis, ils croiront au Seigneur. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu. L'auteur aux Hébreux évoque la foule immense de ceux qui ont mené le combat de la foi. Nous devons tenir de la fidélité en luttant contre le péché, en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 4. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tous ceux qui nous alourdissent et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors nous courons avec endurance
l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix, et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples : Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli, pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, les amis, les chercheurs du Seigneur, les enfants, nous voici rassemblés dans le calme du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C pour répondre à un grand rendez-vous, le rendez-vous tête à tête, le rendez-vous cœur à cœur, le rendez-vous incontournable, le rendez-vous où nous allons rencontrer l'être suprême, le tout autre, le Dieu ineffable, le Dieu qui est toujours là pour nous, lui qui est infiniment grand et infiniment petit. Ce Dieu, chers et frères bien-aimés, qui nous aime malgré nous-mêmes. Ce Dieu qui nous aime d'un amour sans condition. Et
à ce moment-là, il nous regarde avec un regard paternel, un regard qui va nous guérir, un regard qui communique l'amour, un regard qui nous dit « Viens, viens à moi ». Et justement, les lectures pour le 20e dimanche du temps ordinaire nous invitent à considérer les implications de nos engagements, nos styles de vie et nos relations avec les autres. Dans la première lecture, Jérémie est appelé à réconforter les affligés et à affliger les bien nantis. Jérémie, c'est ça son rôle de prophète. Il est appelé à affliger les bien nantis et à réconforter les affligés. La réconforter monde qui désemparé yo, la réconforter monde qui sans secours yo, la réconforter monde qui a subi injustice. La baille courage, la baille force, la baille j'arrête à tout monde qui marginalisé, à tout monde que société a exclu pendant ce temps, la affligé tout, la fouetté conscience, monde qui est bien positionné et qui cause souffrance, peuple ça. Et nous connaissons, frère Semio, Jésus-Christ est toujours mettil. Beaucoup de cela qui puis faible. Jésus-Christ lui toujours mettait beaucoup de cela qui puis pitié. Beaucoup de cela qui a souffri laissant secours. Beaucoup de cela qui pas gain aucune défense. C'est ça Noé dans la première lecture. Et Jésus lui, il va subir le même destin que le prophète. Lui aussi, il sera rejeté. Et c'est ça là où ces monde qui promouvoir la justice, là où ces monde qui fait belle bagaille, qui fait bon bagaille, ou pas toujours joindre monde camper avec vous, ou pas toujours joindre monde remer. Et dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, nous apprenons une fois encore que Jésus devait lui-même subir la croix avant d'entrer dans la gloire de son triomphe. Réfléchir sur ses souffrances nous donne le courage de persévérer dans nos propres combats. Oui, pendant qu'on a réfléchi sur la souffrance de Jésus-Christ, sur toute salité passée pour nous, sur toute martyrie, sur toute salité acceptée, portée dans le corps, dans l'âme, sur toute souffrance et humiliation qui a été acceptée pour nous, dans mes compatriotes, eh bien, nous-mêmes, nous devons penser avec souffrance, nous, tribulation, nous. Nous devons penser avec soufflet la vie à Banon. Nous devons penser avec toute affliction que yon frère, yon soeur, yon collègue, yon famille qui pisait, eh bien, la infligé nous. Que nous connaissons souffrance nous. Yon pas une souffrance infructueuse. Yon pas souffrance comme ça, mais c'est une souffrance qui pourra déboucher sur la gloire. C'est une souffrance qui pourra déboucher sur la satisfaction. Sans souffrance qui pourra le déboucher, eh bien, sur cœur content, sans souffrance, on le, on va dire, ah, m'songer, n'entends longtemps, m'songer, l'aime de gagner 15 ans, m'songer, l'aime de gagner 20 ans, m'songer, ça madame, ça a été qu'on fait, m'songer, ça a mouché, ça a été qu'on fait, m'songer, ça a moun, ça a été qu'on fait. Mais le, ça, c'est pas le pour vivre amertume, ça a, mais c'est le pour magnifier nos bons dieux dans la gloire, c'est le pour jouer. Que content, bon Dieu, c'est repos. Et dans l'évangile, bien-aimés sœurs et frères, Jésus rappelle à la foule que ceux qui se confient à lui vivront un changement dans leurs relations avec leurs amis et leurs familles. Ceux qui, monde qui confie avec Jésus, ils connaissent un changement radical, un changement sans retour dans relations avec famille, avec amis. Un engagement sérieux à Jésus oblige à changer la manière dont nous vivons notre vie et cela peut générer de la tension dans nos relations.
l'ont confié au bail bon Dieu, l'ont confié à Jésus, ça va créer problème, ça va créer difficulté, et ça capable même créer en sorte de distorsion, en sorte de discorde, ou encore relation avec l'autre capable de couper, bifurquer, relation avec vis-à-vis ou même avec mari ou avec madame, et bien ça capable créer problème parce que tout simplement ouvre clé avec bon Dieu. Et le message de Jésus, sœurs et frères bien-aimés, est un message qui dérange, est un message qui gêne, est un message aussi qui interpelle. Ou pas qu'attendez parole, mon Dieu, hein? Et puis j'en tape vivre là pour continuer à vivre comme ça. Pour abdi tout foum c'est doux. Pour abdi, si fait pas de couper fait, ma choquette, pas ta vivre. Pour abdi, dégager, pas péché. Non! Ou pas capable de vivre, ou pas capable de rencontrer avec Jésus, et puis pour jonter avant, c'est qu'on s'abouille. Et c'est pourquoi Jésus dit justement que il n'est pas venu pour le mettre la paix, mais pour le mettre division. La paix, ça, Jésus a parlé, ce n'est pas yon la paix factice, ce n'est pas yon faux la paix. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens entre eux qui ont des difficultés, il y a des gens où la relation n'a pas marché. Dans ce cas-là, le maman dit une parole, papa dit une autre parole. Et le comme ça, petit jeune, petit monde, il fait affaire par eux. Si vous pas chita, pour vous poser problème, pour vous entrer dans le problème, pour vous toucher problème, pour vous toucher plaire, pas aucun problème qu'il résoudre. Et pour vous toucher problème, parfois, il faut qu'il y ait un conflit. Parfois, il faut qu'il y ait une parole en pile. Parfois, il faut qu'il y ait une bouche longue. Faut gien longer bouche parfois faut gien mine marée le regarder figi moun nan ou elle marqué 20 juin 4 avril parce que là gon problème qui doit toucher bon problème qui doit résoudre. Gien deux moun qui gien problème entre yo, ouais, gien moun qui dit ah moi m'peu gien problème, m'pa vle gien conflit, m'peu conflit. Mais pendant ce temps nan relation nan vivi a vivre ensemble nan, ça ne va pas nan relation yo. Gon bagay kap cloché. Gon nan relation, gon bagay kap sonné. Gon nan relation, gon bagay ki pa marché bien. Mais yo était là au nom puisque yo connaît. Yo c'est chrétien, yo c'est baptisé, m'pa parler en pile, m'pa vle la guerre, m'kite ça, m'kase feuille, couvri ça. Et pourtant, relation a crasé par en dedans. Relation a miné par en dedans, famille a crasé par en dedans, famille a fini par en dedans. Est-ce que Jésus, c'est ça lui demander? Non. Jésus dit non, il n'est pas venu pour lui mettre la paix, mais pour lui mettre division. Division, ça Jésus a parlé, hein? Ce n'est pas une division qui pour éloigner l'une avec l'autre, mais c'est le nous poser problème, non. Le nous chita, n'a pas réfléchi sur le problème, non. Le nous chita, mais moi dis une parole, ou dis une parole, ou dis une parole, moi dis une parole. Bref, une division qui permet de nous rapprocher pour nous entrer dans le dialogue. Un dialogue qui a porté un bon genre résultat, un dialogue qui est fructueux, un dialogue qui a aidé yon avec l'autre vivre ensemble, un dialogue qui a poussé chaîne solidarité, relation interfamiliale, relation interamicale, relation entre moun avec moun. Division ça, Jésus a parlé, c'est une division qui peut mettre nous dos à dos, c'est une division qui a fait nous chita pour nous dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. Pour me dire non, pas d'accord avec opinion, et que pour respecter opinion, pour respecter choix, et alors, dans le désaccord, nous sommes capables de jouer un accord. Dans le désaccord, nous sommes capables de sortir avec un accord. Dans le désaccord, nous sommes capables de sortir avec un tête ensemble. Jésus, il dit, heureux les artisans de l'église, m'a dit non, heureux les artisans de. Ça lui dit, Jésus, on est capoté la paix. Et dans moment consécration, consécration à prolonger, et que sa parole l'a dit, ouais, je vous donne ma et je vous laisse ma. Bon, Jésus, ici, aujourd'hui, il dit nous, il n'est pas venu pour porter la paix, mais il est venu pour porter division. Jésus, il est porté pour nous. Aimer parole ça. Parole ça pour nous pas prendre dans contexte division en tant que lui-même même, mais une parole qui a fait nous connaître, si on suit Jésus,
Et bien, il y a des choses qui ne sont pas d'accord avec Marie. Sauf sur Jésus, il y a des choses qui ne sont pas d'accord avec Madame. Sauf sur Jésus, il y a des choses qui ne sont pas d'accord avec fiancé. Sauf sur Jésus, il y a des choses qui ne sont pas jamais prendre. Jamais, jamais, jamais. Il y a des choses si mon nom dit ou bien si il est folie, c'est pour dire qu'on s'est regardé dans moi-même. C'est mon en dehors. M'se moun comme un tel, comme un tel. M'se moun qui lève avec sentiment. M'se moun même si m'lève m'a grand rien pour manger, mais on grain sel en bas langue moi avec on verre d'eau café faire journée. Et ça crée la conviction du chrétien. Lorsque chrétien faut une conviction. Et dans conviction, ou pral bay l'autre la problème. Dans conviction, ou pral de vous capable dire non et frapper pied à terre pour dire non en vérité moi-même. Ça pas privé m. Ou pas de problème dans la caille là. Et comment si croire que ça monte gagné, il pas font petit bac sous. Mais si mon ami peut-être Jésus l'aller. Va-t'en. Ouais, ça dérange. Si mon ami peut-être Jésus l'y aller. Ça dérange. Frères et sœurs, ça dérange. Non, même. Ouais. Si peut-être m'a servi mon Dieu le dimanche matin moi-même, mon connais depuis petit, c'est l'église maman montré. Ouais, ça m'a dit là. Et puis, depuis le fait 4 heures, j'ai commencé clair. C'est rad m'a cherché, c'est douche m'a cherché, c'est de l'eau m'a cherché, c'est savon m'a cherché, c'est petit parfum pour me chit 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 chit, pour me sentir bon, pour me venir rencontrer Jésus. Ou même 4 heures du matin, et laisse vous voulez virer pour faire deuxième sommeil. Si vous avez un problème avec moi, ça dérange? Non, ça va déranger. Ouais, ça m'a dit là. Si moi-même, c'est maman Marie qui me connaît, c'est chapelet qui me connaît. Et puis ou même jeune garçon, quel que soit hauteur ou gain, quel que soit forme tête ou gain, quel que soit langage ou gain, quel que soit grosse bousse ou gain dans des poches, quel que soit combien carnet bok ou gain, quel que soit combien carte de crédit, carte de débit ou gain, et puis peut-être moi-même, c'est mon Dieu m'a servi, c'est Jésus m'a servi, ou dit ou pas nan bagay ça, si c'est ça m'a viré de moi aller. Et bien Dieu, va-t'en, ça dérange? Non, ça ne dérange pas. Ouais, moi-même, moi, peut-être Jésus, une conviction. Peut-être Jésus, une bagaille pas fait. Peut-être Jésus, une bagaille pas dit. Peut-être Jésus, une bagaille, une côté pas parlé. Bon, sinon, quand il a, un big boss débarqué, sortant de là, frigidaire toujours plein. Sortant de là, maquette toujours à faire. Sortant de là, l'argent week-end toujours à tomber. C'est $200 américains, Alphonse chocolat, Alphonse café. Sortant de l'acquête, tout l'autre monde content, petit cousin, petit cousine, ouais, famille loin, famille près, tout remet en haut. Tout remet en haut, même si jeune fille. Pour qui ça? Parce que, gain manger, gain boire. Yo dit, c'est côté qui gagne tête cabrit, cap gratté, eh bien, gagne tête cap collé. Toute journée, son jouet 4, son jouet domino, moun ap entré sorti dans la là. Non relation, parce que ou même fille, ou bien ou même jeune garçon, et bien l'argent ça ouais cap dépenser ya, c'est l'argent à questionner, c'est l'argent drôle, enfin c'est l'argent iso, parfois c'est l'argent ti macaque là, parfois c'est l'argent, et bien Jésus crie par nous non Christ là, ouais, mais parce que quel maman content, quel papa content. Gardez, non pas parce que vous obligez de faire un raf pour un bel aval H6 tout neuf comme ça. Les consorts vont obligé acheter plusieurs petits billets ou bien redire pour acheter. Et pour garder un nèg qui entre dans la caille, il dit gardez non, trois mouns, en descend en bas, chaque moun choisit un aval. Alors que ou même dans la relation ça, tout le temps, c'est de l'eau qui a sauté dans le jour. Tout le temps, c'est plein ou plein. Parfois, pour faire l'autre plaisir, ou oblige à faire un petit sourire. Non, 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 non. Et pourtant, dans le cœur, c'est déchiré ou déchiré. Bon, si vous avez là, ou dit, l'homme finit de tendre par ça, je connais, pour me suivre Jésus, il faut que j'ai une division. Il faut que maman me fâche avec papa. Il faut que frère me fâche avec son. Parce que moi-même, je dis non. Je dis, ça finit. Nous sommes des gens qui ont conviction. Bon, ça, dans le big boss là. Ou pas qu'on combien d'années il fait de la travail, ou pas qu'on a qui université il dépassé, ou pas qu'on combien de diplômes il gagne, ou pas qu'on a qui côté de la travail, c'est gado gado l'argent a tombé dans la caille là. Bon, ou même on dit,
à partir de jeudi, je finis avec bagay ça. Et puis monsieur dit, bien, je vais le malé. Bon, tu t'en vas. Ça dérange? Ça dérange? Alpha ou tout? Alpha ou tout? Bon, laisse la faute à chanter. Alpha ou tout, Satan. C'est bon Dieu, grand maître moi, pour m'adorer. C'est lui-même seul. Est-ce que ça dérange? Tu veux t'en aller? Va-t'en. Moi-même, je suis chrétien qui a conviction. C'est pas Jésus a dit, oh, c'est la paix. Oh, c'est la paix, c'est la paix. Ou si ou allez, maman m'a le fâché, si ou allez, papa m'a le fâché, si ou allez, frère m'a le bleu encore, c'est m'a le bleu encore, tonton m'a le 10, tonton m'a le date, cousin m'a le ceci, cousin m'a le cela, a le fait ou tout, est-ce que ça dérange? Non. Faut avec ce mieux. Jésus pas de peur entrer dans le conflit. Pourvu que conflit ça, c'est conflit qui a porté justice. Pourvu que division ça, c'est division qui a porté la vraie paix. Pourvu que division ça, c'est division qui a mis nos chita sous même table avec la vérité. Pourvu que division ça, et mes femmes font une fois pour toutes, pour me connaître, ça finit, sera, c'est à, fififi, enini, ni, au nom de Jésus. Bien-aimés, soeurs et frères, heureux les artisans de paix, pensez-vous que je sois venu mettre la paix? Mais non, je suis venu pour que règne la division. Jésus a employé cette citation du prophète Michée, non pas pour nous montrer qu'il était un personnage ou un maître qui divise, ni qu'il désirait apporter la division et le conflit en soi. Jésus ne voulait pas non plus, soeurs et frères bien-aimés, dominer les autres par sa connaissance de la loi et des prophètes de la tradition ancienne d'Israël, mais Jésus voulait plutôt montrer à ses disciples que sa position intransigeante allait créer inévitablement une division entre ceux qui sont pour Jésus et ceux qui sont contre Jésus. Et ça, oui, ça j'ai dit. Division ça, qui prend ses renier, c'est division qui prend mettre membres d'une seule famille, dos à dos. Eh bien, ça pour Jésus, pour le jeune Jésus, ça pas pour Jésus, abba Jésus, tôt. Ça pour Jésus, à privé, sous Jésus, ça contre Jésus, abba Jésus, tôt. Et vous-même, qui choix? Et vous-même, qui choix dans Kaila? Parfois, nous peut dire qui est-ce nous. Catholique là, il peut, parfois, les livres dans le bureau, parce qu'il y a plusieurs protestants, il peut aller chapelle à midi pour la prière. Ouais? L'hyper aller chapelle à midi pour la prière sous prétexte l'hyper pour le dire qu'il est lié. Bon, si mon patron, parce que patron lui-même, c'est dans l'autre bagaille qui croit. C'est dans madame Erzuli qui croit. C'est dans l'autre bagaille qui croit. C'est dans acheter du vin à le mettre dans le cafou. Eh bien, tout est pour laguer dans le cafou. Moi-même, jeudi dimanche là, je me suis bien pris pour le griller. Si pour ça, on apprend lui, ou bien nettoyer. Ou bien nettoyer, ou préparer de l'eau chaude, ou mettre chaudière sous le feu, ou bouillir de l'eau d'abord, ou bouillir, il faut de l'eau chaude, attendez, et pas de l'eau froide, non? Et puis, ou chercher un petit couteau, ou saigner pour là, il y a une fille, et pas tout, non? Mais ça y est, je ne sais pas quoi il y a là. Qui dit, ou yo pa gen kè pou yo touye pou le pa vrai non prétexte que tu pa ka kout li hein souvent ça arrive je dis ah m'pa gen kè pou m'sen pou l'am pesan et vrai eh ben ça ou pesan pou li a et li gou nan bouchou a prétexte les comme ça sou pa capable nous gon école pâtisserie là nous gen l'école Kaimeyo Magali Maslin eh ben allez nous gen Meyo. Et mes pères, tout pas femme qui a fait passer dans l'école là ici. Pour me faire parler avec nous, il faut bouillir de l'eau. En dehors, on va mettre un grain de citron ou bien un zoan ici là-dedans. Ou bien c'est un petit poulot. Vous voyez? Et puis, après ça, les poules la fin bien mourir. Ou prendre de l'eau chaude vide sous lui. À terre, oui.
Parfois, tout le monde prend nos fouilles dans le chaudière. Après, on déplume pour nous bien déplumer. Pour une petite plume, pas arrêter. Tout le monde est en Tokyo. Vous voyez bien? Pour aller. Ouais, après ça, pour ça. Ouais, l'eau bien frit pour ça. Même petit peu pour l'eau à manger. Petit peu pour l'eau à manger. Et moi, j'en moi-même, je calcule pour là. Si zo a dû, ouais, ou kakrasé là en bas d'un, ou après l'étiju. Ah la belle bagaille, l'eau après l'étiju. Ouais, dans zo pour le pays. Ouais, c'est. Ouais. Là, comme ça, ou pas ta main définie. Ouais, bon, on y a là, patron ça lui-même, ou même petit pour le jour du dimanche là, après mes 6 heures, ou aller ou préparer, tiens, faut bien préparer, ou fait que Marie a content, que petite la content, là, comme ça, nous tous nous chita à table, n'a pas mangé. Ouais, n'a mangé à table et pas prendre pour là à long coin. L'autre là à long coin, non nous chita à table. Ouais, nous manger à famille, n'a pas petit blague, n'a pas dit ça qui t'est passé dans semaine là. Si Jacques et ben li mal kembe qui est à coutoi, c'est le pour papa maman voyager sous lui. Ouais, et c'est ça qui pral déployer une entente familiale, une sorte de connivence, une sorte de relation intime entre les membres de la famille. Ouais, manger ensemble son bagage qui est important en pile. Et manger ensemble. Parce que l'homme, il a mangé, il sent la joie. Moi-même, personnellement, je mange, je sens joyeux. Il y a des gens qui mangent, ils grippent. Chaque qui est bon, il dit pour manger, il a bien entré dans l'homme. Pour bien manger. Bon, patron, ça a lui-même. C'est dans sa loi, il met des poules dans le cafou, du vin dans le cafou. Bon, même parce que c'est chrétien catholique. Ou dit 16 août, coûte que coûte. Je ne vais pas le travail. C'est bon Dieu m'a la prière. C'est maman Marie m'a intercédé pour la prière pour moi. Bon, peut-être ça, patron ça choisit, revoquer ou, au nom de la foi. Ou. Et pas division ça est. Et pas division ça est. Mais est-ce que peut-être patron ça a dit ou, sous pas venir travail, m'a révoqué ou. Ou bien sous pas venir travail, m'a fait 10, m'a fait date. Parce que lui attaquer la foi ou, en profondeur. Bon, si patron ça a dit, eh bien, ou même malgré le forfait, c'est bon Dieu qui fait jouer un travail là. C'est mon maman qui devine la prière, l'intercéder pour vous. Et que c'est lui qui vos jeunes d'avant là. Bon patron, ça dit ou, si pas faire ceci, si pas faire cela, là, faut y aller. Bon, on dit patron, pas de souci, je m'en fous. Donc ça ne me dérange pas. Si vous allez, ça me dérange ou? Non, ça ne dérange pas. Donc, frère avec ce mieux, division ça, Jésus a parlé à, c'est ça lié. Jésus pas monde qui faux. Jésus son monde qui vrai. Et par conséquent, il ne parle nous chita sous la fausse modestie. Sur une vérité qui par vérité vraie, sur une justice qui par justice vraie, qui sur la paix qui par la paix vraie, sur une vivre ensemble qui par une vivre ensemble vraie, qui sur une fraternité qui par fraternité vraie. Jésus veut entrer dans la profondeur des choses pour lui toucher bagayo. Et si Jésus touche bagayo, bagayo déjà changé. Même les gains division, même les gains de l'onanger, même les gains désaccord, mais ça yo c'est en vue d'un plus grand bien, c'est en vue de être ensemble. De on vivre ensemble. Dans la messe, sœurs et frères bien-aimés, demandons au Seigneur chaque jour pour nos papes conflits. Côté conflit aïe, eh bien, si c'est nous-mêmes qui pour agents de vérité, agents de lumière, monde qui a porté la paix, monde qui a porté remède, eh bien, c'est pour nous entrer. Jésus n'est pas de peuple en position, eh bien, dans la division qui existait entre pharisiens, juifs, entre zélotes et sadducéens. Jésus n'est pas de peur entrer dans le conflit entre moun qui riche et moun qui pauvre, entre moun qui fait moun injustice et moun qui subit injustice. Pingo dit que eh ben m'pa pral dans conflit, m'pa pral dans tête chargée, m'pa pral dans ceci, m'pa pral dans cela, alors que ou mal vivre, alors que ça pour faire ou connait ouais ça pour faire. Mieux vaut que ou crier jodi a. Mieux vaut que ou crier pendant un jour que ou passer 10 ans ou crier. Que vous passez tout très chaud ou à crier. Mieux vaut que vous souffrez aujourd'hui, que vous passez tout résidu dans la souffrance. Mieux vaut que quand on bénit ça qui t'est uni avec Mounsa, qui t'est fait que vous te comprenez que c'est lui-même qui s'est maître, qui s'est chef la vie. C'est de lui-même seul ou dépend et que vous passez toute la vie ou à plein, vous passez toute la vie ou à souffrir, vous passez toute la vie dans l'amertume. Ou pas j'aime consacrer les petits cœurs contents. Ou pas j'aime consacrer les mots sur la paix. Ou pas j'aime consacrer les mots sur de jouissance, exaltation de la paix intérieure. Eh bien, c'est ça qui vous coupe. Même si ça coûte glonanger, même si ça coûte problème dans la caille là, même si ça coûte problème dans la relation, que ça coupe. Et Jésus lui-même, qui fend bouchou, la prenne comment pour le mettre qui choisit dans bouchou. La bouche qui est fendue par Dieu doit être nourrie
par Dieu. La bouche qui est fendue par Dieu sera nourrie par Dieu. Bien-aimés sœurs et frères, pour Jésus, ce n'était jamais une question de préserver la paix et l'unité à tout prix au détriment de la vérité et de la justice. Il s'agit plutôt de promouvoir la vérité et la justice à tout prix, même au risque de créer des conflits et des divisions. Frère avec ce mieux, à nous l'offrir, bon Dieu, la vie, non. À nous continuer l'offrir le cœur, non. À nous continuer l'offrir l'avenir, non. À nous continuer l'offrir tout nous-mêmes, pour que nous-mêmes qui avons cherché la paix, nous avons cherché vraie paix, qui c'est Jésus-Christ, nous joignons. Pour que nous-mêmes qui avons cherché la vie, vraie la vie, qui sortit dans Jésus-Christ, nous joignons. Nous-mêmes qui avons cherché la vérité, vraie vérité, oui, je dis bien, oui, vraie vérité, parce que l'ennemi, il qu'on maquillé en vérité, il plaquait le devant, il laguait le devant pour dire ça c'est vérité, pourtant au fond c'est pas ça livré, et pour nous chercher Jésus. Et me croyez, ou mettre garantie, ou mettre ferme confiance, si vous cherchez Jésus, la vie a déjà changé. Si vous cherchez Jésus, vous avez joindre Jésus. Si vous cherchez Jésus, Jésus a accompagné au sur là. Et lorsqu'il joindre Jésus, la vie a transformé, la vie a changé. Tu seras un autre homme, une autre femme, un autre enfant. Tu seras un autre adolescent, une autre adolescente, entièrement livré à Dieu, entièrement voué à Dieu. Si vous cherchez Jésus, ta vie sera toute illuminée. La vie l'a éclairée, la vie a belle, car Jésus est la lumière du monde. Si vous cherchez Jésus, dans le cœur a bien la paix, a bien remé. Et vous souhaitez, ou même quand vous cherchez Jésus, vous joignez-le. Ou même quand vous cherchez Jésus, vous joignez-le. Et vous continuez, joignez-le, là vous faites chercher. Et alors seulement, on va vivre vraie la vie, l'issue pour vous. On va vivre vrai cœur content, l'issue pour vous. On va vivre vrai cœur posé, l'issue pour vous. On va vivre vraie la vie éternelle, l'issue pour vous. La vie ni kidnapping, la vie ni compromission, la vie sans stress, la vie sans angoisse, la vie sans raseur, la vie sans inquiétude, la vie sans tête chargée. La vie koto ou la tête ou sous oria dormi à la veille ou dormi tant qu'on ange et ou levé avec sourire avec la paix dans cœur et la vie ça nous connaissons dans Jésus-Christ lié la vie ça c'est la vie qui va jamais finir hein? La vie mon Dieu papa petite là avec l'Esprit Saint. Nous croyons en Jésus. Jésus qui portait cœur posé pour nous. Jésus qui m'a demandé pour nous prendre des décisions qui sont justes. Jésus qui m'a demandé nous tout pour nous radical, pour nous fixer nous dans le choix, nous. Même si ça coûte nous la vie. Nous. À nous proclamer la foi. Nous. Dans Jésus, ça capte nos forces avec lumière chaque jour pour nous suivre. Je crois en Dieu. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent à faire briller la lumière de l'Évangile au milieu des contradictions de ce monde. Prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde entier, plus particulièrement ceux de notre pays, qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous. Prions le Seigneur. Tout le monde qui a souffri dans le coyo, n'a demandé au grand maître pour bailler force et courage, pour être capable de faire femme dans la foi. Comme ça, il va joindre soulagement. T'en prie, grand maître, écoutez, voix-nous. Communauté paroisse noire, pour nous toutes qui rassemblés dans la messe là jeudi à, avec tout si la yo qui suivent nous grâce à RTK et l'autre média social yo, n'a demandé au grand maître pour apprendre nous vivre dans tête ensemble, pendant ou ap l'ouvrir l'esprit nous, sous sens, parole loin. T'en prie, grand maître, écoutez, voix nous. Temps pour nos pensées avec la vie par nous. Présenter demande nous yo, bye bon Dieu. C'est pour ça nous venons, pour nous l'offrir toute la vie, nous l'offrir les cœurs. Pendant la offrir ça nous y est, à projet nous yo. Nous avons une intention spéciale pour ceux qui ont souffert à cause de la foi, à cause de l'attachement avec Jésus. Tout peuple et toute nation qui a connu la guerre parce que ils voulaient servir bon Dieu. Tout chrétien qui persécuté, tout le monde n'a pas voulu ouais, à cause y a servi Jésus. Nous l'offrions, oui, ensemble avec toute intention nous yo, sous table autel, devant bon Dieu. Il est même qui est capable de transformer toute bagaille en la vraie paix pour nous capables de vivre dans la paix et dans la main. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi
qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur, et en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun, sur chacune de nous qui participe à cette Eucharistie, sur tous ceux-là qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse, sur ceux et celles qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de mariage, leur anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons aussi, Seigneur,
surtout les souffrants, surtout les persécutés. Nous implorons ta bénédiction sur nos frères et sœurs qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, disons ensemble cette prière, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bon Dieu, Jésus, le tête ensemble pour nous. Jésus, lève les mains pour nous. Dans la joie, bon message ça, à nous montrer nous qu'on vit ensemble. Pendant que nous avons souhaité notre cœur posé avec un geste.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici, alors mes annonces, nous gagnons pour ce maintenant. Dimanche, jeudi, c'est 14 d'août, 20e dimanche, temps simple, année C. Et nous avons fait messe 6h, nous avons une deuxième messe à 8h, une troisième à 10h, et une dernière messe pour journée à 4h. Et jeudi 18, alors lundi, qui c'est demain si bon Dieu voulait, qui a 15 d'août, c'est solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Son belle fête, et nous connaissons en fête nationale. C'est pourquoi il y a un congé. Demain si Dieu veut, c'est congé. C'est temps pour nous venir la prière. C'est un temps pour nous reposer dans bon Dieu. Continuer à reposer avec bon Dieu. Et jeudi 18 août à 4h30 dans l'après-midi, c'est la formation pour groupe, chorale et comité. Avec tout l'autre monde qui t'a aimé, venir participer dans la belle formation. Ça, conférencier, c'est Monseigneur Patrick Harris. Du 31 août au 29 septembre, il y a une trentaine de prières aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Reprise des travaux dans les jours à venir. Aider la paroisse à payer ses dettes sur le faux plafond. Travaux à réaliser. Carreaux de l'église, chœur, autel, vitraux, banc, etc. Nous avons le travail à commencer, mais il n'y a pas fini. Le travail à commencer, il n'y a pas fini. Nous avons un dimanche, nous venons et là, nous avons bon dimanche, nous avons transporté nous, nous avons mis nous l'autre bord, de quoi? Pour travailler là, capable de continuer. Je remarque, bien que je n'ai pas eu, c'est l'autre bord à nous. Si nous pas dans désert avec nous, nous pas qu'à rentrer. Faut nous passer dans désert pour nous venir. Et puis c'est bon désert qui tellement fait chaud que ça. Il y a des gens pas jamais moi. Couyo est faux plafond belle bagaille ouais. Attention. Donc n'attend nous mais pas oublier pas négliger pour nous aider par cela. Ouais, maman,
remet fait dette, maman remet prêté. Mais petite maman pas qu'à quitter maman à prêter tout le temps, à douer tout le temps. Il faut dégager non pour aider dette yo payer. Gain billet rafio qui disponible dans bureau. Ouais, mes belles machines là, mes machines là, ben là on aval H6 flambant neuf à tout tapis solide. Tout tapis ça yo. Ouais, au café sauve les avec yo, le retirer sur machine là. Belle bagaille H6. Moi même si mon petit machine comme ça, au monde manque grand foyer. De temps en temps, on passe des clés ou même le pape sorti ou cap vung ouais pour cap chauffer et belle bagaille. Machine ça, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Pas grand monde non, yo fixe pour gagner. Tout le monde de pour jouer seulement ou gagne. Ouais, m'a acheté 3 blocs ou même acheté 1 seul bloc. Ouais, ou même qui acheté 1 seul bloc là ou gagne. Ouais, c'est ça que je veux là, oui. Mais il faut la prière, oui. La prière, maman. Moi, je suis un monde qui te dit, père d'orange, enfin, année a fini, ou a bon machine. Par contre, si c'est ça, non, mais on promesse. Et me dit, c'est pour sa fête, j'en ai dit là. Donc, billet, yo, passez réclamer billet, nous, dans le bureau. C'est 25 primes qui gagnent. 25 primes. 25 belles primes. Gagnent billet pour aller à New York, Port-au-Prince. Gen billet pour gen moto, gen billet 50 000 goud, gen billet 100 000 goud, gen moto, 25 primes, belle prime. Gen jeu assiette, jeu de verre, par exemple, si vous allez marier là, ouais, ou pas même besoin acheter bail ça, ou ap tout gen nan raf la. Ouais, il ne faut pas négliger à ça, non? Pas négliger. Gen centre de formation professionnelle Notre-Dame d'Altagrasse qui a annoncé toute fidèle. Il est ouvert dans l'école professionnelle là, il y a un département informatique là-dedans. On a besoin de cours qu'on fait chaque week-end pendant 6 mois. Et puis, même cours ça, il y a fait en ligne tout sur Internet. C'est dans infographie, montage vidéo, vidéographie et création de sites web. On a annoncé nous tous dans l'école Magali, Melet, Maslin, qui Kaimeyo, qui l'ouvre. Pour tout le monde qui voulait à l'apprendre, ça fait hôtellerie. Si vous voulez qu'on fait bon manger, fait bon bagaille, eh bien, il y a l'école qui est là pour ça. Dimanche 21 août, de 6h45 à midi, c'est vente de signature du dernier livre de Mgr Patrick Harris à la salle paroissiale de l'église Altagrasse. Titre livre-là, c'est Splendeur et Joie. Prix spécial-là, c'est 1000 gourdes. Jeudi, c'est anniversaire. Ok. Dans la rubrique anniversaire, on a fait un message à lancer. Donc, pas oublier, frère, avec ce mieux. C'est comme ça, ça y est. Pendant toute semaine, pendant le reste du jour. Pour plus d'informations, nous sommes capables de brancher RTA et nous avons besoin plus belle, plus d'informations. Toujours. Je dis à ces fêtes en pile monde. Nous voulons prendre temps pour nous dire bonne fête. Anniversaire de mariage, bonne fête à Marie-Rose Estimé et Chérubin Roosevelt. Bonne fête à Kerlin Lermite et Patrick François qui ont célébré 29 l'année depuis qu'ils vivent ensemble. 29 l'année, c'est à apprécier. Compliments et félicitations. Et bon anniversaire de mariage à monsieur et madame Jean-Mathieu Ulysse, yo même qui fait gain yon l'année en ça, y a célébré dans la joie. Bon anniversaire de naissance à Alexandra Bruno, à Adeline Louis, bonne fête de naissance à Brunette Renfort du groupe Les Défauts d'Altagrasse, bonne fête à Dora Marie Cadelima, à Ercile Joseph Angénor, à Génor, à Exxon Bélizère, à Jean Batoli Loture. Joyeux anniversaire de naissance à Juliana Dorville, à Eddy Basile, à Marie-France Badin-Sandres, Astrid, à Gaïcha Volsi, Daniel Basile, à Réginald Saint-Fleur, à Fabien Tristan Africo. Bonne fête à François Katiana, à Nila,
Maillard. Joyeux anniversaire de naissance à notre sœur Brunette Renfort, à Thomas, secrétaire du groupe Le Divo de la Vierge Altagrâce. Bonne fête à tout le monde qui jeudi a célébré un événement heureux dans la vie. Bonne fête à vous-même. Quel monde c'est fiançailles. Quel monde qui tellement remet fêté. Même là, ils ont rencontré Monsieur marié. Ils ont écrit. Ils ont écrit pour y fêter. Fille comme ça, oui. Fille comme ça, oui. Frère mieux ça. Même les rencontres là, si c'était un bon pied bois, si c'était non sous l'eau, si c'était dans le marché, dans la maquette, je dis tel jour, j'ai rencontré Monsieur l'amour. Ouais. L'amour. Ouais. Et puis, il a fait tel. Là, comme ça, pour enquiquiner Monsieur, il dit, est-ce qu'on songe le jour où nous t'ai rencontré? Ah, mais quand même, on va comme ça, moi, il y a des bagages qui sont dans la tête, moi. Mais fille, elle même, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Et c'est peut-être ça, nous féliciter. Nous disons merci, frère, avec ce mieux, parce que nous devons célébrer la foi nous ensemble. Nous devons nous ressourcer, nous devons prendre force dans le bon Dieu. Pas oublier, depuis son bagage qui pour faire bien nous, bonheur nous, dans le bon Dieu, avec bon Dieu demain, pas peur, il y a une division. Si c'est aller pour nous aller, pour gagner la paix avec bon Dieu, quel aller? Est-ce que ça a dérangé? Est-ce que ça a dérangé? Sinon, quand il y a là, nous avons débarqué, il a fait tout le bagage. L'évangile, que tout le monde est content, mais on même pas content. Bon Dieu, où qu'on est, bon Dieu, pas content. Bon, on l'a opéré, est-ce qu'on brille? Monsieur voulait aller, que l'aller. Ça a dérangé? Pourvu que, bon Dieu, là, division en papel, depuis division, c'est bon division qui pour rendre nous plus bien, pour unir nous, pour rendre nous heureux demain. On se tenons tous et nous chaque fois mieux, c'est mieux. Passez une bonne journée dimanche, passez une bonne semaine, déjà, bonne fête de Notre-Dame de l'Assomption à chacun de vous, qui me fait mon bon Dieu, pas la guerre. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pas t'oublier. Nous pas t'oublier belle chorale ça qui t'a aidé nous vivre belle messe ça. C'est chorale la Sainte Famille. Merci. Merci. Et merci.